Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et je suis en compagnie bien sûr de mon très cher assistant Fireflav. Yeah! Salut, ça va? Alors, on est parti pour cette troisième partie de Silent Hill Homecoming. En plus, Homecoming, c'est-à-dire rente à la maison. À la maison. Ce qui n'a strictement rien à voir avec le jeu. Alors, voilà, nous sommes repartis. Oliver a réussi cette énigme. Cette énigme incroyable. Cette énigme énigmatique, car elle a été facilement réalisée par le maître du... Des énigmes. Alors, on va voir un peu où on est. Alors, voilà. On va à droite. À mon avis, on va à droite, on n'a pas essayé d'ouvrir la porte. Mmh. À mon avis, on va devoir déjà sortir d'ici. Ah bah non, il n'y a même pas une porte, ouais. C'est une nouvelle salle. À mon avis, on va devoir sortir d'ici pour rejoindre la porte magnétique. Oui. Donc il va falloir sortir de cette... Bah, c'est ce que j'ai dit en fait avant. Je le répète pour être... Je suis sûr que t'aurais jamais trouvé ça. Si, en quelques jours. Oui. Moi, en une seconde. Tranquille. Tout de suite. Et moi, j'ai d'autres qualités dans les jeux vidéo. Parce qu'à chaque fois, quand on résout une énigme, il faut au moins savoir pourquoi on l'a résolue. Et là, on l'a résolue pour ouvrir cette putain de porte électrisée. Rappelez-vous, dans Total War, j'étais le dieu. Oui, dans Total War, tu combattais en même temps des Gaulois. Je pense pas que c'était très difficile. Mais si, il y avait des armures, il y avait des Gaulois armés. Et toi, t'avais des grands Romains, avec plein de chiens. Oui, c'est vrai qu'il y avait des chiens. C'était plus simple. C'était un peu ridicule, en fait. Mais aujourd'hui, je regarde pas ces vidéos, car on a passé vraiment de bons moments. Fireflav ne veut plus trop continuer, il run Total War, il était tellement frustré. Peut-être un jour... Il a été tellement insulté de ses vidéos de Run Total War. Il y a quelqu'un qui lui a mis vraiment un commentaire qui l'a profondément... Ça m'a profondément blessé. Blessé. J'en ai encore les traces. Et pas que dans mon cerveau. Il va encore dire dans son slip. Non. Alors voilà, on est retourné au point de départ. Non, derrière. T'es sûr? Ah mais non. Ah oui, non. Va à la porte, oui. Je sais pas pourquoi j'ai dit non. Il y a des traces de doigts sur ton portable, Oliver. C'est parce que c'est un portable tactile. Le savez-vous que les portables tactiles ont des traces de doigts parce que... C'est le problème des... Comme ça qu'on, c'est voilà. Le problème des portables tactiles, quoi. Faudrait pas que j'en fasse la même chose. Putain. Oula, il est en train d'accoucher, là. Voilà, tout à fait, messieurs. Tout à fait, Fireflav. En purée, on dirait un homo. On dirait une chouchotte. On dirait une pédale. Tout m'est pas fort. Oliver, nous allons continuer la vidéo. Allez, tous ensemble. C'est par ici, ces paroles-là, la sortie du manoir. La. J'imagine comment va être la cinquième partie, ou la sixième, ou la septième. C'est de pire en pire. Je pense pas qu'il y en aura sept. On va vite finir ce jeu. Je sais pas si on est rendu si loin que ça, en fait. Vu ce qu'on a devant nous, j'ai vite envie de finir le jeu. Parce que c'est vraiment moche de chez moche. C'est en 2D. Ça y a une texture en 2D sur une PS3. Encore sur Wii. Oui, ça existe sur Wii, c'est pas dramatique. C'est qu'une console 128 bits. Mais sur PS3 ou Xbox 360, là on a peur. C'est surtout pour ça qu'on a peur du jeu. Pas par son ambiance, mais par ses graphismes. Laid. Très laid. Jusqu'au bout. Ignoble. C'est un vieux journal. Je l'ai déjà lu. Je vois rien du tout. Où est la lumière de Dieu? Bah, juste sur ton épaule, je pense. Je vais devoir allumer la lumière. Le petit chargement en cours. Pourquoi il y a une manette de Wii à côté de moi? Putain, elle porte la poisse. Ah, c'est parce qu'on a stressé avant pour Mario Kart. Et en plus, je viens de l'allumer. C'est vraiment horrible. Elle est juste devant le game capture. On va faire que... Allez, voilà. Ah bah j'avais raison, regarde, il y a un slash. Ça veut dire que c'est bon.
On peut passer cette fois-ci. Ouais, faut aller là où il y a le slash. Une porte magnétique. Oh là là, un citoyen a été tué. Oui. Je vais appeler mes citoyens. Oh purée, cet effet de oh là, lumière. J'entends des cons. Oh là, c'est ma lumière, je pense. Ça s'attire les monstres, hein. Voilà. Oh putain. Putain, c'est qui vise là? Oh, encore cela? Oh non, pas ça. Oh non, pas il, faut, ça. Il faut les tuer avec un feu. Dieu, Dieu, Dieu. Oh, l'esquive. Bon, voilà. Ah, là, là, il est quand même fort hein, pour au Moonwalk, hein, notre cher ami militaire. Ouais. Oh, dans les boules. J'ai plus de munitions en plus. Heureusement que la couille était fragile. Putain, j'ai chaud. Oh putain, c'est non, celui-là. Faut le couteau. Ah, mais il y a encore l'autre avec son, sa tête d'âche. Sa tête d'âche. Sont vraiment, c'est vraiment des grands créateurs quand même, ceux qui ont fait ce jeu. Oh non, pas celui-là. Le bestiaire est incroyablement poussé. Putain, mais c'est on avance, quoi, ce chien. On avance, on voit des spiders. On avance encore, on voit encore des spiders. Mais tais-toi. On avance tais-toi, encore, j'ai on envie voit de des te... chiens. J'ai envie de te dire ta gueule là. On parce voit que... encore des chiens au bout de 2 heures. Je suis perdu, il y a plein on d'amis. Voit également encore des chiens au bout de 10 heures. Et voilà. Moi j'en ai marre de voir ta gueule depuis 5 heures dans ce à droite. À droite. Ouais mais il y a un chien qui me poursuit là. T'es pas au courant? Oui mais pars d'ici, droite, derrière toi. Mais ils vont vite ces putains de chiens. Ah mais ils vont pas... Ils peuvent pas t'attaquer quand tu cours. J'ai remarqué ça. Purée, il y a le... Putain mais il peut pas se retourner ce PD. C'est bon on a eu ton cul. Ouais là grouille grouille. Le sprint de GTA. Mais il n'y a pas de porte. Si. Ouais mais non mais c'est pas la, porte magnétique. Faut la trouver la porte magnétique. Oui mais elle était pas par là. Ouh c'est quoi ça? Non. Oh putain je suis mal. Fais charger le jeu, va dans la porte où ça charge. Bon tant pis. Oula le chien il a une très belle texture. Toujours aussi magnifique. Alors voilà. Mais si faut aller dans le chargement. Ça, la porte si voilà, fallait aller dans la porte où ça charge là. Derrière. Derrière toi. Je suis la flèche bleue moi. Oui. Ah oui. Donc c'est derrière. C'est là où tu vois l'espèce de barrière là. C'est là où il y avait la porte. Tu te souviens? Ah mais on peut pas y aller là. Si. Ah si, il y a une porte. En effet, il y a une porte. Tu te fous de ma gueule. Il y a une magnifique porte. En effet, mon cher Walson. Bon allez, c'est à gauche. Et où est la magnifique porte? À gauche, à gauche. On n'a pas regardé à gauche, à droite. Mais purée, mais à gauche du mur en fait, je voulais dire. On est en face d'un paumé. Je peux avoir. Mais non, mais tu vois bien qu'il n'y a pas de porte là. Oh. Mais on n'a pas bien regardé. Il faut bien aller à côté parce qu'on les voit vraiment pas les portes. Bon, on peut allumer. Bah non, on peut pas allumer. Si on va avoir 36 chiens après. Attends, je me souviens. Si, à gauche, j'ai vu un truc. Ah bah tiens. Des balles. Fusil d'assaut. On voit carrément avoir un fusil d'assaut, c'est n'importe quoi. Non, ouais, mais on n'a pas le fusil d'assaut. Ouais. C'est on va être équipé comme Rambo. Sauf qu'on n'a pas les fusils, on a juste les balles. Et il y a un chien qui vient de revenir, putain. Là, regarde, purée. Mais là, il n'y a rien. Je vois bien qu'il n'y a rien ici. Qu'est-ce que tu m'emmerdes avec ça? Regarde, y a rien. Je me souviens qu'il y avait une porte dans un truc comme ça. Mais c'est pas là qu'il se trouve, putain. Je suis en train de me faire tuer par toi. C'est à cause de toi. Et en plus, il marche mal. Putain. Si, tu peux te soigner. Ouais, mais je préfère avoir pas les ennemis parce que après, ils vont m'enlever mes vies bien vite fait, tu vois. Tu vois, là, on entend les bruits, mais ils nous font rien. C'est bizarre. C'est que le jeu est mis en pause. Donc, il faudra tourner à droite au pire. Ah mais non, tu vas dans la maison. Non, regarde, je te le montre 2 secondes. Merci, cher téléspectateur. Touche pas l'écran, touche pas l'écran surtout. Ici. Faut que t'ailles ici pour ressortir ici. Ouais, je pense. Ça veut dire qu'il faut que je retourne en arrière, que je me fasse rechoper par les chiens. Faut que t'ailles dans Bowler Room. Non, faut pas. Non. Fallait pas pousser la truc, il y a l'antenne derrière. Ah. Heureusement qu'on n'est pas en train de faire une vidéo. Mais... Donc, nous voici, il faut voilà, tourner juste à droite. Oui, sans si se tu faire foutre. Si tu ne comprends pas ta droite et ta gauche. Sauf que je suis mort avant.
Oh, t'es pas oh mort. Putain. Oh putain. Oh putain. Non. C'est quoi ce bordel? Heureusement qu'on s'est sauvegardé. Hein. Putain, on était à 2 mètres de la porte, même pas. Et là, ce chien apparaît. C'est un sauvage, c'est pas un chien. Et ce sauvage apparaît. Non, qui est sauvage. Un sauvageon. C'est bien Fireflap de recadrer pour rien la télé. Elle est bien cadrée, ça va? Oui. Ça me stresse. On filme plus avec une caméra de base. Donc, Oliver? Oui. Réussiriez-vous à sortir? C'est très difficile. C'est réception qu'il faut sortir. C'est très difficile pour moi, tu sais. Faut déjà sauter par là. Déjà, faut avoir du skill pour sauter. Mon dieu! Le magnifique bâillement. Ça montre toute la joie et la bonne humeur de Fireflap. Passe par la porte, ouais. Le bâillement du Moyen-Âge. Je suis obligé de regarder toutes les deux secondes parce qu'on voit tellement rien. C'est ça, mec. Chargement. Et là, tu cours et tu regardes pas ceux qui te suivent, quoi. Chargement. 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 Que t'attends un chargement. C'est que tu te fais chier, chargement, tu te fais chier. J'ai craché sur la table. C'est magnifique. C'est toi qui mets des poussillons depuis tout à l'heure sur mon portable. J'ai époustouflé le portable. Ça veut dire quoi? Alors. Regarde. Regarde bien ta carte. Bah, je suis en train de la regarder toutes les deux secondes, à droite. Et voilà. Magnifique porte. Moi, je le fais en 2-2. Fireflav le fait au bout d'une heure. Putain, ça m'atteint ce que tu me dis. Non, je rigole parce qu'en vrai, je me plantais au niveau de la porte. Ouais. C'est parce que tu m'as vu galérer avant. Hein. Alors là, des fois, il y a des ennemis. Mais on s'en fout, en fait. C'est plus sprint. Il faut les ignorer, en fait, des fois, dans Silent Hill. Ah, c'est comme dans Resident Evil 1. Il fallait ignorer les zombies. On peut dire que les ennemis ne dépendent vraiment pas du scénario, quoi. Ils sont vraiment là pour faire... peur. Voilà, c'est tout. D'accord, il va. Alors, okay. À droite. On voit tout. On va en face et juste à droite, il va y avoir la magnifique porte magnétique. Électrique. Tout ce qu'on veut. Ou un sauvage. Ou trois sauvages. Oui, surtout que ça va être ça. Oh putain. Putain, c'est quoi ça? Oh, c'est qui qui a défoncé la porte? Je me barre. Mais non, regarde derrière, regarde derrière. Oh, oh putain de merde. Passe ça, passe ces machins-là. Si, faut tirer dans le rouge. Oh putain. Putain. Tu veux qu'on le tire dessus finalement? Oui. Putain, ça lui fait rien. Oh putain, comment c'est saccadé? Oh mon dieu. Comment il est super mal fait? On l'a battu. Recharge. En fait, ça servait à rien parce qu'il y a la porte juste à côté. Ouais, mais elle est verrouillée. Ah bah non, elle est verrouillée. Et c'est l'autre, il y a deux portes là, non? Putain, il y a un autre ennemi encore là? C'est quoi ce cri dehors? Oh, c'est quoi ça? J'ai une hache Pulaski! Oh, ça veut dire quoi? On a déjà une hache. On a bien un fusil d'assaut. Ah bah en fait, elle a été remplacée par cette hache là. Si ça se trouve, elle est plus puissante. Je ne sais pas. Ouais, mais je préfère un fusil d'assaut quand même. Oui, ça fait un moment qu'on n'a pas de fusil d'assaut. Et... fais bien le tour de tous les murs. Au stade du jeu qu'on est, faut plus les connaître. D'accord, il y a encore un ennemi. Je le sens. Moi, je le sens mal. Je sais pas, on entend des bruits bizarres. Ah bah voilà. Ah bah c'est là-bas. Le couloir du salut. On voit tellement rien qu'en fait, on est complètement paumé et on longe les murs. C'est totalement logique. Tu penses que dans ce monde, les Teletubbies ont pu survivre? Ils se sont cachés dans une poubelle, peut-être? Dis-moi qu'ils ont survécu. Mais qu'est-ce qu'ils racontent d'un coup? Vous le savez pas, mais c'est le même... Ah, Amnésia. Voilà, ça me revient. Ces monstres-là, on les voit dans Amnésia. Ah bon? Oui. Tu connais Amnésia? C'est quoi? Bah, c'est un jeu que fait pour la peur, en fait. Donc ça m'intéresse. Ah ouais. Un jeu flippant sur PC.
Oui, c'est vrai que toi, tu veux du sexe avec. Je te connais bien. C'est bon, t'as sauvegardé. Je suis fan de Mario Kart. Non, sors pas. T'as des trucs à voir derrière. Ouais. C'est une autre porte. Ah, oh. Alex, où es-tu? Ah bon. Je suis dans la prison. Ok, je suis dans le bloc B. Viens vite me chercher. En plus, ces effets d'ombre, c'est incroyable. Plus on avance dans le jeu, plus on est bluffé, quoi. Vite, dans le bloc B. Là, là, on est dans le niveau de la prison. La petite copine de Firefly. T'as pas de balle, de toute façon. T'es un bolos, tu vises alors que t'as pas de balle. Oh, il y avait une araignée. Ah non. Eh oh, t'as pas de balle, mec. Je sais, mais c'était pour bien montrer le monstre. Mais c'est pas un monstre, c'est ma meuf. Connard. On va dire le cadavre. Si magnifique. Sont il y a un cadavre ici. Il y en a tellement des cadavres, on en trouve tellement partout que maintenant ça nous fait plus rien. Oh, ça veut faire quoi ça? Ça nous fait rien déjà. Oh, l'énigme la plus facile du jeu. Je crois que il y a pas besoin de tâtonnement pour cette énigme. C'est l'énigme la plus facile que j'ai jamais eue. Oh. Allez, taillé en pièces. La fosse du Sagan. Oh. Il y a de la vie. Il y a de la joie. Il y a de la vie. Va chercher la vie. J'arrive pas à passer une chaise. C'est quoi ce bug? Saute. Non, dis-moi pas que c'est ça qui va nous. Pardon, la chaise. Non. C'est bien. C'est quoi ce jeu, sérieux? Bon. Est-ce qu'on a l'autre trousse de soins? Ah oui, c'est bon. On en a deux, alors. Ouais, gâche pas les lits. Voilà. Je crois qu'on a un bruit. Déjà, il y a une manivelle est complètement foirée. Ah, ça j'en étais sûr. Eh, on peut sauter par des actions. Des obstacles. Des actions contextuelles, mais on peut pas sauter en vrai. Bah, comme dans Resident Evil aussi. Le 4. Et les premiers, vous pouvez rien faire donc. J'en ai assez de ces contraintes de temps. Ouais, bon, on s'en fout. Ça me saoule ces textes, ils sont trop longs. Ce qu'on veut, c'est retrouver ton frère. J'ai un plan de la prison. Oh. Totalement. Un plan totalement froissé. J'ai l'impression qu'on va s'emmerder ici. Oh mon dieu, c'est quoi ça? Putain. Bon bah on va vous quitter, à une prochaine vidéo pour... plus de fun. Voilà. Parce que là... Non, il y a un truc qui clignote en bas. C'est peut-être toujours le... Non, c'est... Bon bah je vais chercher mes chaussons parce que je vais avoir froid au pied. Je pense de jouer à un jeu aussi. Moi je suis pieds nus. C'est glaçant. Oh mon dieu, il y a un monstre. D'où il vient, je sais pas, j'entends juste un bruit. Ah bon, en fait, y'a rien. Il y avait un bruit, mais il y avait rien. Alors, il y a peut-être les espèces de mammouths, comme on a vu avant, mais je ne sais pas. Cela semble... Ah, il m'écrase le pied. C'est un effet d'optique. Cela en fait, j'ai écrasé le parquet. Watch out, you écrase le parquet. Ces vidéos deviennent de plus en plus n'importe quoi. Donc cela semble contrôler les portes de la prison à distance. Voyons si je peux le faire marcher. Les boutons ne semblent rien faire. Merde, bah j'étais persuadé que ça allait faire ça. Alors, examinez. Oh, c'est Josh. Putain de merde. Il va pisser dans le coin. Faut lui dire qu'il faut pisser dans les chiottes. C'est interdit. Alors. Mon dieu, je pense que t'es un boss. On a ouvert quoi en fait là? Rien. Ah si, il y avait une porte avant qui était fermée, je crois. Si, c'est à droite, non? Oh, putain. Faut trouver Josh, ton frère, ton sang. Enfin, en fait, elle est toujours fermée. Ah ouais. Bah, descends. Il y a peut-être une autre porte, j'en sais rien. Ah, mais là, on a déjà été, là. Ouais. Regarde à droite. J'aime cet escalier. Oh. On est déjà allé, là, tu crois? Ah oui, allez. Pourtant, il me dit rien cette porte-là. Quelque chose me dit que la prison va être chiante. Oh putain. Mais on a déjà été. C'est un mot laissé par un prisonnier. Bon, trop long. Mais on a déjà vu de toute façon. C'est là où la chaise était bloquée. Ouais. Parce qu'il manquait de monstres. Dans le scénario. Donc ils ont préféré mettre des chaises. Ouais. Oh putain. Allez, check ça, c'est quand même important. Check. C'est que ça nous récupère que la moitié de notre vie. C'est
pas non plus si exceptionnel. Oh, c'était fait de lumière. On dirait. Eh, c'est bizarre, mais on dirait qu'il fait jour dehors alors que dehors il fait. C'est super sombre. Par contre, il y a un truc qui me choque un peu. Normalement, il devait y avoir des grillages vu l'ombre comme ça, alors qu'il y a rien du tout. C'est normal. Ça, par contre. Ce n'est pas très logique. Faudra prendre une capture d'écran. C'était mort. Illogique. On a vraiment la chance de jouer à une démo de ce jeu. À une telle perle. Ah oui, la démo elle est un peu longue. Et le jeu complet sortira courant 2014, pardon. Cette porte refuse de bouger. Et qu'est-ce qu'on peut faire là en fait? Ouais, j'avais l'habitude avec aussi. C'est fermé de l'autre côté. Cette porte ne peut pas bouger. C'est normal. Cette porte est ouverte. Attention. Pour regarder. D'accord, ça fait rien. On peut se faire chier. Ça servit à quoi? Ah, il est rouge. Il redevient vert. Et ça pas regarder à gauche. Ça veut dire qu'à gauche, il y avait un truc. Ah, bah c'est ouvert. Ouais, tant pis. Oh putain. Oh, désolé. Fais-les à la. Comment? Au couteau? Non. À la hache? Joue-la à la Splinter Cell. Ouais. Par surprise. Même si c'est pas un jeu d'infiltration, mais bon. Tu veux que je fasse une pleine tête? Je sais pas si ça marche une pleine tête tellement qu'il est mal fait le jeu, mais. D'accord, il est plus. C'est quoi ce bug? Tue-le! Ah mais entre couteau et tuyau, je sais pas c'est quel le mieux mais. Bah il est mort. Je crois ouais. Ah mais c'est véritablement des humains, on les entend parler tout. Bon. En fait c'est une prison, ça doit être les gardiens de la prison. Ah. Bah, y a rien. Des chiottes. Non. Mon dieu, il y a peut-être quelque chose dessus. Ils sont bien décorés. Ils aiment bien les chiottes dans les jeux d'horreur. C'est parce qu'ils pensent qu'on va nous pisser dessus et voilà. De la drogue a été cachée dans ces chiottes. Oh c'est non, un vieux journal, moi je m'en fous. Mais moi je veux encore des trousses de soins là, j'en ai pas assez, j'en ai trois purée. Oh c'est plutôt pas mal là encore la texture. Ouais, ça fait penser à Rome Total War. Ouais, donc c'est pas mal. Oh, les effets de lumière, magnifique. Par contre, je me demande comment ça se fait qu'il y ait autant de lumière alors qu'en vrai, en vérité, dehors, il n'y a rien du tout. C'est vrai que Firefly avait raison. Je sais pas. Encore des munitions. Putain, mais on n'a pas de fusil d'assaut, on vous l'a déjà dit. J'imagine qu'on va avoir 100 munitions de fusil d'assaut. C'est un truc de fou. On va avoir une espèce de scène à la Rambo après. Ouais. Et le fusil d'assaut, on l'aura qu'à la fin du jeu. Après avoir battu le boss final. J'ai trouvé une lettre de prisonnier. Je vais pas la lire. Est-ce que je peux jouer? C'est tellement inutile à chaque fois que je sens qu'il y a des ennemis là. Mais non, c'est une serrure. Car les portes. On n'est pas déjà allé là? Ah non. Mais non, pourtant. Oh putain. Et c'est bizarre, ils mettent le dialogue alors qu'ils parlent pas en fait, les mecs. Ici, ils ont parlé, mais dans leur masque. Ah. Et on les entend pas trop, quoi. Et en même temps, on a le son presque à zéro. Attends, ils sont easy ou quoi? Merde. Je dis ça, je me fais toucher. Et il me saoule, lui, là. Oh, mais c'est rentable. Non, mais c'est qui ce mec? Mais il me fait des combos de fou. Oh putain, c'est un boss. C'est le boss du jeu. Il est plus résistant, celui-là. Putain, mais c'est fou ça, tu vas te faire tuer par un mec comme ça. Je vais faire me soigner. Oh merde, c'est pas le bon bouton. Putain, j'ai pris la mauvaise arme. Non, J'y crois pas. Mais c'est quoi ce bordel de mec? J'ai rien compris, il est immortel par rapport à l'autre. Vous inquiétez pas, Firefly. Ah oui, attends, les soldats de l'ordre équipés du tuyau peuvent esquiver vos attaques, jouer donc défensivement et choisissez soigneusement le bon moment. Firefly est de retour. Avec Fireflame. Ah, ça c'est les mammouths. Siam essaiera de vous rouer de coups après vous avoir assommé, relevez-vous donc vite. Siam? C'est pas le Siam. Mais il y a plein de Siam. Pareil. Mon ex s'appelait Siam aussi. Alors là, la cinématique. Alex, où es-tu? Je suis dans la prison.
Ok, je suis dans le bloc B, viens me chercher. J'ai peur dans le noir. Pas de munitions. Pourquoi on est tombé sur un boss? Un boss optionnel. Et puisque d'habitude quand il y a un boss, on sait tout de suite que c'est un boss. Alors que là... pourquoi j'ai acheté ce jeu? Pour le fun. Pourquoi j'aurais pas pu acheter... Assassin's Creed 2? Non. Ah, il cherche. FIFA 10. Le truc inutile. Quand t'as FIFA 13 ou 14 ou je sais plus combien. Si t'achètes FIFA 2001, pour moi, t'as tous les FIFA. Ou même FIFA 2002 ou FIFA 2003. Si t'achètes un FIFA, ça sert à rien d'en acheter l'autre. Parce que je vois pas ce qu'il y a de différent, à part les graphismes. Avec ma nouvelle hache, elle est meilleure. Ah, et j'ai remarqué qu'avec cette hache-là, on donne seulement deux coups, alors qu'avec l'autre, c'était 3 ou 4 coups. Ah, mais il y avait moins de planches, c'est pour ça. Ah, moi aussi. Il y avait plus de planches, je veux dire. En claque, il y en a moins. Ah, trousse de soins. Ça fait plaisir quand même, les trousses de soins. Ouais, j'ai réussi à briser la glace avec un revolver. T'as pas vu? Oui, bah, c'est normal, non? C'est faux, Waffle. Et là, il va y avoir des cons. Fire maniaque. Je vois Fire aux commandes. Je vois des lettres de prisonniers, mais j'en ai rien à battre. Qu'ils se fassent violer ou encercler. Tiens, j'ai un plan de la prison. Bah oui, c'est ce qu'on avait avant. Et je pense qu'il y a des choses bien dans ce plan. Donc c'était tout à gauche du plan, il y avait Rambo. Ok. Ouais. Il faut battre le Rambo avec son masque. Bon, Oh putain, une boisson de santé. Et quand je vois mes vies, je me dis que... j'ai pas trop besoin de potion de santé, mais... si. Magnifique. Magnifique, ouais. Je pense qu'on a jamais eu autant de vie dans ce jeu. Et jamais une telle bande-son n'a existé. Je pense qu'elle n'existera jamais. Dans d'autres jeux. Tellement que c'est légendaire. Que c'est unique. Et que c'est magnifique. Non, là c'est normal, c'est juste un effet comme ça. J'avais cru au début qu'il y avait un monstre qui me poursuivait. Tu crois que j'ai flippé, moi? Bah c'est normal, toi tu le sais maintenant. Je te l'ai dit. J'avais cru que c'était les mammouths, là, Siao, là, ou Siam. Voilà, tu vas regarder ton pote Josh? C'est mon frère. Ton frère? C'est mon frère. À droite. J'avais la même coiffure que lui quand j'étais petit. Totalement décoiffé, quoi. Nous sommes à 28 minutes. Putain. Donc, quelle merde, monsieur. Mon dieu, j'ai plus de batterie. Non, je rigole. Mon frère est un connard et je dois le suivre. Il court partout. Il y a des bébés qui pleurent pas loin, donc... je dois défoncer cette plus porte. Plus dans l'ambiance. T'as déjà vu ça? Bah oui. Ah oui, il marche pas. Cette serrure ne marche pas. Enfin, en même temps, c'est interrupteur. Il n'y a plus le levier. Attends, t'es prêt? Rambo, il est à gauche, je crois. À gauche, là? Oui, bute celui-là, d'abord. Rambo, ta tête est mise à prix. Je dois ramener ton pénis au roi. D'accord. Purée, il court comme une tafiole. Hein. Oh! J'y crois pas. En fait, faut pas. Leur point faible, c'est le torse, c'est pas la tête, c'est illogique. Oliver, vous voyez quelque chose? Ses cheveux sont hyper bien faits. D'accord. Une screenshot. Faut prendre vraiment une screenshot, là. Une photo. Ah, une screenshot? Un screenshot? Ouais. C'est une screenshot. On le dit comme on veut. J'imagine le artworks, tu dis ça comment? Artworks. Là j'ai peur, donc j'y vais pas. Bah c'était là qu'il fallait aller. Là j'ai peur. Mais si on les avait déjà butés ceux-là, c'était ceux d'en bas je crois. Ouais, donc j'ai buté les plus faciles quoi. J'ai utilisé toutes mes balles. Comment ça se fait en fait qu'il y a des humains qui sont plus résistants que d'autres alors qu'ils ont la même skin? C'est ça qui m'échappe un peu en fait. Mais c'est comme nous, tu vois, on met le même habit et puis voilà.
C'est comme si on était pareil, sauf qu'on n'a pas la même habileté avec l'arme, le tuyau, dans leur cas. Ouais. Voilà l'explication. C'est logique. Tous les humains sont différents, voilà. Oui, c'est vrai, mais... C'est un jeu est hyper réaliste. Voilà, oui. L'explication. D'habitude, les jeux, eh ben, on rencontre les mêmes ennemis, ça veut dire que c'est des ennemis identiques de chez identiques. L'IA est exceptionnelle. Par exemple, dans Mario Bros, les Goombas, ils sont tous aussi forts que les uns que les autres. Nul, quoi. Ils tombent dans les trous, puis quand on leur saute une fois dessus, ils sont morts. Voilà. C'est un vieux journal. Il s'est torché le cul avec. Quittons ça. D'accord. À gauche, à gauche. Derrière, toi. Derrière, là, toi. Eh bien, ça va, ça m'a l'air pas compliqué, cet endroit. Ah, là, c'est... Soldats avec moi! Tuant ces putains de fesses et fils de putain! Où sont-ils? Là, il faut que tu la joues à la Splinter Cell, tu vois. Ah, ok. À la Tom Clancy. Ah, j'avais oublié que j'étais tout seul dans cette affaire. Oh putain, ils nous font chier. Oh, il y avait que deux lignes de dialogue. Un problème. Encore. Pas deux lignes, deux. Ah, voilà. On était rendu environ là. Avant les ennemis. Je sais pas s'il faut que je prenne un couteau, une hache pour Rambo. Non, hache, c'est un peu de la merde, non? Bah. Il met trois plombs à attaquer, en plus c'est pas puissant, j'ai remarqué. Ah, mais là on a une nouvelle hache. Ouais, j'avoue. Et j'ai c'est jamais là... essayé cette nouvelle hache. Il me semble que c'est là que nos chemins s'arrêtent. T'es prête? Oui. Je suis prête! J'ai une pause? Médaillon d'aile. Peut-être qu'il va me servir. C'est moi? Je vais inspecter. Elle m'avait donné ce médaillon, mais il appartenait jadis à Nora. Nora, la reine des pucelles. Et c'est bien. Je n'ai rien à retour. Utiliser. Ah, ça peut pas être utilisé. Putain. Comment ça va, Rambo? Alors, tu vas encore buter ce mec? Oh, il est là. Oh putain. Il y a Rambo derrière. Comment Rambo on fait derrière. Pour esquiver? Le rond. Merde. Ah, lui aussi, il est en forme maintenant. Je vais te découper en rondelles, mon petit gars. Ah, c'est vraiment... Les dialogues sont vraiment crus. Ah, purée. En fait, faut que je sorte de la porte. Non? Oui, puisque là, t'es complètement bloqué. Non, c'est lui qui est bloqué au mur, là. Non? Oh putain, c'est quoi ce bug? Et il a touché son coéquipier. Oh putain, les deux en même temps. Oh putain. Ouais. Lui, la puissance, deux coups dans les reins, là, ça fait mal. Oh putain. C'est quoi ce bug? Je ne complains pas. Putain, vite, par... T'es prêt? Triangle. Mon dieu. Ça fait du bien. Ouais, toutes nos vies, là. Enfin, il manque un pixel, mais c'est pas grave. Quoique... Ouais, il y a des prisonniers. Ouais, il y a des flics. Ah, mais c'est son pote, en fait. C'est un flic ou quoi? Mais oui, c'est ses potes, les flics. Putain, mais arrête de crier comme une femelle, pas toi. Bah, et en plus, ils courent comme des femelles, donc. Putain, voilà. Mais ils ont combien de vies? C'est lui, Rambo, quoi. Enfin! T'as tué Rambo. Non, je pense que c'est celui-là, Rambo. Il manque plus que le faiblard. Ça se trouve, c'est lui, le Rambo. Non, je crois que c'était l'autre avec le plus gros casque. Ouais, si, c'est vrai. Il y a un interrupteur quelque part par là. Ah, mais c'est lui, notre pote. C'est celui qui mange des bananes. Bon. T'inquiète pas, mon pote. Ah, bien. J'ai oublié que j'étais con. Donc, comment finir le jeu si on est con? Bah tu ne pourras jamais le finir. Merde. Tiens. Tiré. Je serais peut-être moins con. Après ça. Cinématique. Cinéma. À toi. Joli travail là-bas. Quand tout sera fini, j'offre la première tournée et la deuxième. Tu peux marcher? Marcher, courir, voler, merde, je suis peut-être lent, mais je ferai tout mon possible pour sortir d'ici. Où est elle? Ils nous ont séparés quand nous sommes arrivés ici, mais je les ai entendus. C'est donc là que nous allons. D'accord, nous devons retourner. Je l'avais. Oh putain. Oh non! C'est Siamo! Siamo, ouais! Siamo, ouais! Merde! C'est un singe de Nouvelle-Calédonie! Il a dit menote-le! Menote-le, oui, tu veux que je menote comment? Vite! Mais tu fais quoi? Ah oui, putain, je pensais que c'était la cinématique. Il est énorme!
Attends, mais il est en train de me bousiller la tête. Ouais. La grande question, c'est est-ce que il a des vies à l'infini, notre pote? Mais il bouge pas en fait ce coup. Il bouge pas beaucoup. En fait, on est contre un ennemi tout pourri. Hein. Ouais, en fait, on l'a surestimé. Ok, je vais essayer de te l'ouvrir ce portail. Ouf ta gueule aussi. Merci. Ça y est, je vais chercher mes bananes. C'est bien. Est-ce qu'on peut te tuer? Ça se trouve, on peut le tuer. Hein. Ça se trouve, il y a différentes fins dans ce jeu. Il y a une fin où on peut le tuer. Non? Ouais, surtout que quand tu le tues, t'as game over après, c'est ça? Bah, ça peut mettre game over, c'est-à-dire. Pas game over, quoi. Sauter de l'autre côté. C'est pas comme dans Mario. Hey, comme par hasard, il y a un trou dans le mur pour passer. Ouais. Alors qu'avant, il n'y en avait pas. Et là, c'est dégoûtant. Là, c'est dégoûtant. Je ne vois rien. Je ne vois rien du tout. Ah si, il y a un truc par terre. Mais qui est-ce? Oh, en plus, il y a le sang. Oh, le détail qui tue tout, ça. C'est un monstre qui l'a traîné jusqu'ici. Eh, il y a plein de manivelles comme ça. Bah, fou. Ils sont au fond dans les manivelles. Putain, il connaît la prison par cœur, ce con. Essayons de nous trouver un moyen de sortir. Bah, tu crois qu'on fait quoi ici? Bah, j'ai mal au dos, donc voilà. C'est pas la fête du village. Alex, on dirait que je peux contrôler les portails de la prison dans ce clavier. Sans blague. Oui, ça marche. Ça veut dire que je suis une brêle, moi. Ok, il faut qu'on se sépare. Voilà ce que tu vas faire. Dirige-toi sur la passerelle, vers les barreaux fermés, vers le plafond. Maintenant, sors, dégage. Je vais prier pour toi. Dégage d'ici, surtout. Et ton petit cul de blanc. Là, on... faut aller où, en fait. Et purée, on est déjà à 37 minutes. C'est pas grave, on peut finir ce niveau. Où sortir? Ça passe super vite, n'empêche. Bien, je ne sais pas où sortir. Attends un peu, Alex. Je vais te l'ouvrir. Ah, bah, toi. Putain, il a mis 2 heures. Et voilà. Heureusement, il n'y avait pas des ennemis derrière. Et on peut ouvrir cette porte? Ouais. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Va tout droit et dirige-toi vers les portes de l'autre côté. C'est peut-être pas là en fait. 2 secondes, je t'ouvre le portail. Quel portail? Quel portail? Mais juste devant toi. Quel portail? T'es complètement paumé. Celui-ci? Bonsoir, le portail ne s'est pas ouvert. Il doit être endommagé. Tu vas te voir. Putain, j'en étais sûr. On n'a pas tout lu. Tu vas devoir prendre un autre chemin. C'est... ouais. C'est quoi tous ces sous-titres de merde qui vont trop vite? Ok, j'ai trouvé un autre chemin. Ça. Et ouais. Voilà. Ça y est. Sauf qu'il va y avoir plein d'ennemis par okay, là. Ok, descends les escaliers. Je vais essayer d'ouvrir le portail. Attends, je vais te l'ouvrir. Je crois qu'il va y avoir plein d'ennemis. Ok, continue d'avancer. Il y a des spiders dans le coin. Spider-Man, c'était mon copain au lycée. Je peux pas lui faire ça. Où suis-je? Je suis dans le trou du cul du monde. Pas mal cette petite phase, c'est quand même assez original. C'est coincé. Oui. Je suis coincé. Ça, c'est pas un original par contre. Ok, je vais t'ouvrir le portail. Mais quel portail? Oh purée, des spiders. Putain, mais t'as... Mais je suis trop fort. Attends. Mais je suis trop fort, sérieux. Et il faut que tu fais, faut que tu fasses cercle et que tu l'attaques sur le côté. Ouais, je sais. Putain, on se souvient vraiment de ses ennemis, quand même. C'était des ennemis récalcitrants de ce titre. Bah, on l'a eu beaucoup dans là où il y avait la femme bizarre et tout. Ouais. Mais après... On aura dû d'ailleurs faire des vidéos là-dessus. C'était fun. Malheureusement... Putain, Spider! Fireflame était en phase de conneries. Ok, t'as complètement foiré le QTE en fait. Donc... C'est pas nouveau avec Fireflame. Putain! Je peux jouer? Est-ce que je peux jouer? J'ai peur là. On va perdre. Est-ce que je peux jouer? Oh purée. T'as vu, je t'ai fait une roulette pour t'aider. Oui, c'est magnifique. Oh putain. Putain, mais c'est impossible! Bah oui, l'endroit il est tellement trop petit. Ah, c'est quoi que. Je veux vraiment avoir une arme pour la tuer, cette conne. Putain, comme par hasard, t'as une spider et. Putain. Ah oui. Attends, elle est vivante encore ou quoi? Enfin, purée, elle est vivante. Putain, t'aurais dû l'assommer. Oh. Ce magnifique finish! Coup du lapin! Là, il va nous parler encore. Ah. Voilà. Vous voyez par là? Shower room. Shower room! C'est-à-dire la douche. Ouais. C'est très bien, Firefly. Eh oui. Oh, oh Dieu! Putain, mais dis-moi pas que c'est encore une araignée de merde! Oh mon Spider!
Mais qui... Oh, mais d'où il vient? Mais c'est impossible. Et je parie que tant que tu les as pas tués, il va rien te voir. Putain, ouais. Elle souffre, on peut même pas l'abattre. Mais je vois rien là, sérieux. C'est pas vrai, mais... Ils ont pas remarqué, les développeurs, que leur jeu n'est pas fini. C'est pas vrai. Quand il y a deux ennemis, c'est impossible. À part en ayant de la chance et en bourrinant le bouton cercle. Oui, c'est pas vrai. Putain, mais... Putain, c'est pas possible. Mais d'où elle sort? Allez, là, je le bourrine. Mais non, ça sert à rien, elle a des protections. Je l'ai eu, là. Mais non, elle a des protections. Non, je te jure, je l'avais... C'est quoi, ah, ça? Tu viens de la tuer. J'ai pas compris comment je vais faire le finish. Oh putain, merde, merde. T'es dans la merde. Ah, donc avec ces taches là, j'ai remarqué qu'on peut les avoir aussi comme ça. Enfin, des fois ça marche. Putain, oh putain, pas. T'allais la crever, oui. Prends la trousse de soins. On a plus de trousse de soins. C'est ça le problème. Je suis mort. C'est quoi ce... Il y a peut-être un checkpoint, hein. Bah, même sûrement, hein, parce que contre des ennemis aussi cheatés que ça... Hein. C'est sûr. Bah, on avait beaucoup de checkpoints contre ces ennemis-là, je me souviens. Hey, on est à 41 minutes de la vidéo, quand même. Regarde, mais ça me donne envie de continuer, tu vois. Ah, 19h06, mais on lâchera pas, parce qu'il y a des Spider-Man qui attendent d'être décapités, carrément. Ah, Amnesia. Oh, pfff. Hold up the man. Je dis plus rien. Je ne dis plus rien. Et c'est des fils de pute. Ils ont changé les ordres en fait. Il y a plus de checkpoint maintenant, il y en a jamais. Et en plus, on a plus de trousse de soins, plus de munitions. C'est faux. Mais si, on. Mais non. Puisqu'on a perdu, maintenant ils nous remettent ce qu'on avait avant. C'est sûr. Oui, puisque là on est retourné à la case départ, là où on a sauvegardé. Je connais des jeux qui remettent pas comme avant. Comme Astérix et Obélix, ils remettent pas les mêmes vies à chaque fois. Tu connais ce jeu? Oui, ce jeu légendaire, culte. Non, c'est parce que c'est le meilleur jeu de Infogrames, et le meilleur jeu d'Infogrames, c'est un jeu pourri. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes rendus... à 42 minutes de vidéo et nous allons essayer une dernière fois de franchir ce niveau de la prison, comme on va l'appeler, pour pouvoir continuer l'histoire de Silent Hill et enfin finir ce jeu. À mon avis, il y aura encore deux parties de plus après ça. J'ai loupé la trousse de soins, je crois. Là, la vidéo. Là, la vidéo, elle va durer encore, allez, 20 minutes. Et après, on sera pour une partie 4. Ouais, c'est un petit bonus pour vous. Voilà. Surtout qu'on refait la même chose, donc c'est pas... Un bonus. Et on espère bien trouver un nouveau une nouvelle sauvegarde. Et peut-être qu'on pouvait sauvegarder, hein, avant non. Avant d'ouvrir les portes et tout avant. On pouvait descendre des escaliers avant que et notre pote il attend là-haut, il fait le con. Voilà. Oh, toi. Non mais j'y crois pas quoi, des spiders quoi, et en plus il y a même pas de checkpoint derrière, c'est n'importe quoi. Putain, en plus elle esquivait la spider, c'est fou. Là on va voir notre... Voilà le truc, parce que lui, il ne s'y connaît pas du tout en informatique. Et là... Josh, come on Josh, come on, tu as perdu ton lapin. Je me rappelle le come truc... Come on, play with me. Oliver. Josh. Oliver. Quoi? Vous vous rappelez? Au tout début du jeu. Oh mon dieu. Putain. C'est là qu'il y a Rambo. Ah non, c'est au prochain. Ah putain, il commence déjà quand même. Ils sont en forme là. Mais c'est con que tu crèves là, j'ai l'impression que le couteau il est plus puissant. C'est pas vrai. Mais c'est un tuyau. C'est fou qu'ils se battent avec des tuyaux quand même. Non, mais toi tu ressembles tellement à Hitman que je te déteste. Voilà. Bon, hein. Putain, il continue. Mais deux heures à moins. J'aurais voulu encore vivant, parce que je peux pas passer. Ah si, c'est bon. Bon bah là c'est le truc, il y a le mec qui s'est torché le cul avec. Ça en scène. Tiens la manivelle.
Dommage qu'il n'y a pas de cinématique. Les cinématiques sont tellement dégueulasses qu'on n'a pas trop envie d'en avoir d'autres. Oh non. Ouais, elles sont cool, non? Y'a rien. D'accord, y'a rien du tout. Si c'est où qu'on avait trouvé alors le... la fiole de soin Y'en a eu. Ah, c'était à la porte là. T'as pas été à la porte? On s'en fout. À la porte. À la droite, à la porte là. La grande porte. Ah, c'était là, ouais. Il y avait une porte là, il y avait une grande porte, t'as pas été. Remonte, remonte. Mais c'est ce que je fais. Remonte encore. Remonte. Il y a encore des escaliers, remonte. Jump, jump, ça là, jump. Ouais. Non, ça c'est pour plus tard. Ah, ça. On peut péter. Mais c'est con, on peut même pas péter à vite là. Mais là en fait, il se cogne. C'est bizarre. Ah mais c'est scripté jusqu'à la moelle. Ouais, bah, je crois que je vais utiliser mon flingue hein, pour parce que les spiders ça sert à rien le flingue et pour cela si. C'est là que tu vas aller boire. Tes potes. J'ai combien de vie là? Ah oui d'accord. On soigne ou pas? Non t'as des munitions. Oh putain t'as bousillé une balle. C'est la balle de ta vie. Tu en as un au moins. Putain. Je m'enfuis. Je suis un fourbe. Mais non. Mais je change d'arme. T'es pas ta fiole. T'es un salopard, c'est pas pareil. Tue-les. Mais je suis en train de bourriner la croix. Ah, purée. Tu pourrais quand même te soigner. Putain, t'as eu fou. Putain, ils sont encore plus robustes que les zombies et tout. Et là, c'est parce qu'il y a Rambo. Ah oui, c'est lui, Rambo. Là. Non, c'est là, l'autre, celui-là. Non, c'est non, c'est lui, c'est vrai. Non, en fait, c'est aucun. C'est bizarre qu'il soit aussi résistant. Mais c'est sûr, ils vont réapparaître, là. Tu vois. Bah, ce jeu est tellement mal fait que je pense que oui. Et c'est là que tu vas voir. Shoma. Saimo. Ah oui, Saimo. Ou Smile. Ou Smiley. Smayou, je sais même plus son nom en fait. Simoha. Ouais, on dirait des japonais. Konchukama. Kochikamato. Kochikomata. Kuroshi sushi. Oh, sushi. En fait, on a même pas dit le dialogue. Bah, et ça, c'est l'ennemi. L'a déjà dit. En fait, ça, c'est l'ennemi le plus merdeux. Parce que on imagine si je perds. C'est que t'es encore plus merde. Mais il bouge pas pendant qu'on le tue, ça c'est faux. Regarde. Ah, c'est parce qu'il attaque notre pote. Oh, dans le cul. Oh. Oh merde. Oh. Qu'est-ce qu'il me fait là? Alors, ça lui fait de l'effet. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi tu meurs pas? Il est complètement con. Oh. Et c'est lui qui l'a tué. Ouais. Et j'ai rien compris à cette IA. Pourquoi il voulait dire bonjour au mur là? C'est super pas black. Donc d'accord, l'IA est inexistante et on s'est fait buter par une IA pareille. C'est super. Mais non, c'est Super Black qui l'a tué. Ah lui, au moins, il a une IA plutôt convenable. Enfin, peut-être qu'elle est scriptée. C'est ton pote. Ça s'est fait mal à la poitrine. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est dégoûtant. C'est la première fois que je vois ça alors que j'ai vu ça 50 fois avant. Ah, c'est chiant ce jeu. J'ai cru que c'était fun de faire des vidéos défis sur ce jeu. Oui, voilà, mais... je vais sauvegarder. C'est vrai? Bah oui, on peut regarder. Tiens, on descend. Parce que lui, il est encore en mode script. Là, il va dire, je peux t'ouvrir cette porte, je peux t'ouvrir celle-là. Attention, mais je peux t'ouvrir. Mais faut jamais bousculer un script. Faut aller jusqu'au bout. Oui. Donc fais le jeu jusqu'au bout. Joue à son petit jeu jusqu'au bout. Elle est où la putain de sauvegarde? Ah bah tiens. Menez chien de pistolet. Non mais essaye de sortir comme une tenue. J'ai des munitions de flingue. C'est par où que tu dois sortir là? Oh putain. Ouais mais c'est par où je devais sauvegarder aussi.
Mais non, mais faut que tu sortes pour sauvegarder en fait. Autrement, on saura un peu où on est après. Si on était pas loin remonte, de l'escalier. Remonte. On était pas loin de l'escalier. Ah bah d'accord, au oh, purée, il est bien. Eh, il est bien loin en fait la sauvegarde. Enfin, c'est par là quoi. Oh non, la porte est fermée. Et on peut pas sauvegarder. La porte attends, mais fais le script là. Allez, bah, faut que je monte alors. Allez, on a encore 10 minutes de vidéo, mec. Faut pas lâcher. Faut se concentrer. Faut rien lâcher. Non, c'est le que je défonce la porte. Ah. On dirait que je peux contrôler les portails. En fait, le script n'était même pas encore lancé. Hein. Oh, magnifique. Oh. Oui, ça marche. Il faut qu'on se sépare, mec. Voilà ce que tu vas faire. Dirige-toi sur la passerelle vers les barreaux fermés. Maintenant, sors. Dégage, gros chien. Gros chien solitaire. Chien de gulli. Tout ce que tu veux. Voilà, magnifique tuyau, mais il sert à rien, on va prendre la hache. Même si la hache n'est attends pas. Attends un peu, fort. Alex. Je vais t'ouvrir. Et voilà, j'ai réussi à ouvrir une porte. Alors que toi, Alex, tu n'as pas réussi. Va tout droit et dirige-toi vers. Merci. Tu vas devoir trouver un autre chemin. Devoir trouver un autre chemin. Attends, attends, que le script se lance. C'est un jeu de merde. Voilà. Bon sang, le portail ne s'est pas ouvert. Il doit être endommagé. Tu vas devoir trouver un autre chemin. Mais je suis juste devant l'autre chemin. Ok, j'ai trouvé un autre chemin. Mais moi je l'ai déjà trouvé. T'es trop fort. T'as déjà fait ce jeu. C'est quoi, fou. C'est quoi ce truc là Ok. Un mec qui a été éventré. Ok. Je comprends pas trop en fait. C'est un scientifique qui a été éventré. Ouais. Qui a sa tête à côté de son corps, non Non. D'accord. Bon. Ce jeu est tellement mal fait. On dirait des trucs de PS1 quoi. Et c'est là que tu auras des Spider-Man. Ça se trouve, va pas là, non. Ah, c'est là qu'il y en a une qui va tomber, non? Ça se trouve, il peut t'ouvrir et t'as même pas allé voir. Passe par la porte! Ah! Putain, ça se trouve, tu passais par la porte, t'avais pas le bat, ce machin. Si, parce qu'il y avait pas de temps de chargement, après. Et ça peut passer les portes, ces conneries. Mais non. Mon dieu. Oh là là, ce... Oh putain! Ce fail. Plantage! Ce fail. Mais on est trop près de la grille en même temps. Yeah. Voilà. Alors Spider-Man t'es mort. C'est tout droit, tout droit, tout droit. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ouais d'accord, c'était là pour que les spiders arrivent. Va tout droit pour voir. C'est la porte qu'il a ouverte. Dans le fond à droite. Dans le fond à droite. Écoute mes lèvres des fois. On n'était pas déjà allé. Ah si. C'est là où il y a les si, spiders. C'est là où il y en a deux. Attends, je vais m'enfuir par là. Oh, oh, il y a un petit passage. Faire une brèche. Oh putain. Vite. Oui. Non, en fait. Mais non, mais je voulais pas la battre. Faut que tu le battes. Je voulais pas la faire une deuxième fois la brèche. Elle faut que tu meurs une deuxième fois. Prends tes vies maintenant. Prends la potion qui fait la moitié des vies. Q. Voilà. C'est pas Q, c'est carré. Oui. Attends, je dis toujours ça, moi. Il parle le cul jusqu'au bout, lui. Je dis toujours ça, moi. Je suis habitué à la PS2. La PS3. Tu veux dire... La PlayStation. Que... Non, tu veux dire que t'es habitué à un clavier. Oui. C'est pas la même chose. Allez, Spider-Man, là. Spider-Man, Spider-Man. Si tu meurs, ça serait génial. Spider-Man, Spider-Man. Si tu meurs, ça serait génial. Mon dieu. Putain, c'est quoi cet effet? Cet effet magnifique. Il y a beaucoup de parpaings qui sont éparpillés partout sur la Terre. C'est magnifique. C'est incompréhensible. Bon, y a pas de truc de sauvegarde? Non, on sait jamais, hein, sur les murs. Tu te crois chez les bisounours ou quoi? ouais. Cet interrupteur ne marche pas. Normal. Cet interrupteur est mort. Cet escalier est impossible à franchir. Regardez. Oh non, je... Oh, le salut de Dieu. Oh. Oliver. Les sauvegardes sont très rares dans ce jeu. Oliver, j'ai envie de vous dire quelque chose. Oui. Dites le mot de la fin. Et nous avons fini cette troisième partie
Et donc nous nous retrouverons ensuite dans la partie 4, la partie la plus épique ou la partie la plus ennuyeuse. Ah ok. À la voyure pour de nouvelles aventures avec Firefly and Oliver Plasma. C'était Firefly pour la partie 4.